Le message là, je vais m'adresser à Mamadi Doumbouya encore, pour une dernière fois encore. Mamadi Doumbouya. Ikini ni djama sa komena. Mansako me ye ya toi. Il est le nani 5 septembre qu'alpha konde bon mansa la Mamadi Doumbouya. Ika fo dunia be yana qu'alpha konde traité saria respecté la. Ika mol fanan fa alpha konde la garde korfa. Ika la gine del fa Mamadi Doumbouya. Mo keme fla ni bilol. Ika ol fa Mamadi Doumbouya. Kama sa ya menta. Iwara fanan. Ika algurana ta ki bolo ke argurana kan ki kali Mamadi Doumbouya ka fo ko ile. Mon sibra de la gouvernement, CNT, ko al mo kelenti sela ke la candidat de élection présidentielle main na la ko 2024. O bana fana Mamadi Doumbouya, ika sebeta ka signe dunia benyana. Ika di communauté internationale ma. Ko 24 mois yo le ke la mansa la le 31 décembre 2024. Ko la mansa ya di ban. Ika sebeta ka signe ka di dunia bema ka di américain l'ambassadeur ma ka di ko union européenne ambassadeur diplomate mel beye la guinée kono ka dalma ika sebe do fananta ika wadi han se dia wala ika di ay bonima wara di han se dia o no di dumbuya yan kli la ka anye na la yan ka kuma e lombe lombe ila ko bo montagne me ima la guinée système de long ima la guinée long mama di dumbuya tu connais pas la guinée. La Guinée, je t'ai dit dans mes précédentes vidéos là, je t'ai dit, le Guinéen plus malhonnête, ingrat et inconscient, si tu veux trouver les diplômés dans ces domaines là, ne cherche pas deux ou trois pays là, rends-toi seulement en République de Guinée. Moi, je me suis dit, Mamadi Doumbouya, je me suis dit, je me suis dit, ira ja election men organisé ye bon mansala ibra wodi men sunya i waini la wodi i odam mo sibake mansayata la ali accord signé devant la communauté internationale atibana mansala tibla laiko il est à wodi au faveur de ce que la Mamadi Doumbouya mais amarani moto bala samuri idi amiro wodi se ala ti c'est la chance wodi l'alma ala chance wodi laike le ne Mamadi Doumbouya inyalaka. Momel be yaltera frala ebi Mamadi Doumbouya mandi momel wallahi billahi tallahi mandale iti cela tola masaya mena Mamadi Doumbouya wallahi billahi tallahi iti cela tola ne force pas iba foko ya force la Mamadi Doumbouya wallahi billahi ila bantole yumi samieldo Mamadi Doumbouya hein bi agne le 3 novembre 2024. Ale na video mena mara ale ake ala ni kelai ale na video mena mara awati baselo mena iere kani nal mi faolo Mamadi Doumbouya idisi iye kasola idi na video mena ben idi mire maida a kame fole nye 3 novembre 2024 inira ja election men organize ye bo masaya mena blai kuma kan fe ikini kuma kan ma fali Mamadi Doumbouya. Momel be blani ko bibrake gâteau d'anniversaire de la Guinée brake kebab di soma o soma mo kelendi muruta adina ki kanate kas ki subodam inyala ka Mamadi Doumbouya imam igbo maten de liye de la nye kumala le yan ki nani ala ko yan kli soro ala ko yi mafali ulo ka kan yin ala ka life ke yan ki atake Mamadi Doumbouya igbo maten yan imiri ika menfo 5 septembre 2021 anibi ika alpha konde la malia le dunia benyana Mamadi Doumbouya ika alpha konde la malia dunia benyana Mamadi Doumbouya maninka yere wolo momen ka bodialo ka sorondialo Mamadi Doumbouya utisela la diala maninka oyen wallahi billahi tallahi maninka yere wolo ding men ka bodialo ka sorondialo akana na fatolo Mamadi Doumbouya utisela ko otoraira Aldisal fola ko be mafo ikal fa konde la malia nyamen ka oblay kuma iti sela dia la manika le wala koro wallahi billahi taala manika deni mel be al bur lay ko fetia manika danka deni le sari ikalo selu dale fana la problem c'était comme ça
ale fula danka deni wol nyimen dinge sadi nyemere ni wol wolle fanam blani kote an ka ke selu to tinela lagne system le itulu la ka ini lagne ka le ben ko kele ma ini population e ben amara amara la declaration menke ni kunu alfananti maliao ko ya fola. Il faut voir, c'est-à-dire, il faut être sérieux pour une seule fois dans ce pays. La déclaration d'Amara, là, Amara peut nous dire qu'il n'y a pas de base militaire en République de Guinée, où il y a eu des enquêtes même du Parlement français, où le général même est venu, il a reconnu que c'est vrai, hein, avec affirmation. Amara peut sortir aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de base militaire en Guinée. Moi, j'ai été le premier à dénoncer ça sur les réseaux sociaux. J'ai été le premier. Yomaniti, comme une atino yato gordomini, Mamadi Doumbouya, mais j'ai une base militaire Kouré Mali. Frontière Mali frontière Mali et la Guinée. Comme une atino domi yalti domi, woli domi, woli mi, woli fotogi, faut attaquer là-dedans. Oh, Kofenande. J'ai été le premier à dénoncer ça ici avec les photos. Les jours que les gens là-même se sont rendus là-bas vers Cancan là, j'étais le vers Sigiri là-bas, j'étais le premier à publier même les photos là, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. Vous ne pouvez plus tromper les gens. Vous ne pouvez plus tromper les gens. Là, c'est-à-dire le monde a avancé. Regardez un exemple, Mamadi Doumbouya, pour te dire que vous êtes des analphabètes. Vous êtes des analphabètes. Vous mentez, quand vous commencez à mentir là, vous ne connaissez pas que les vidéos là existent. Il y a des vidéos qui existent, Mamadi Doumbouya. Tes vidéos là où tu as prêté serment. Hein? Que tu t'appelles Mamadi Doumbouya. Si tu n'arrives pas à respecter la loi, tu demandes à la Cour constitutionnelle, Cour suprême de la République de Guinée, que la loi soit appliquée contre toi, Mamadi Doumbouya. Les vidéos là existent. Tu ne peux pas tuer des gens, plus de 250 morts, Mamadi Doumbouya. Tu vas venir encore nous dire que tu seras candidat. Je vous ai dit que les gens là n'ont pas été à l'école. Les gens là, c'est des bandits. C'est un groupe de bandits ethno qui sont venus braquer le pays là. Regardez le discours d'Amara là. Le jour qu'Amara a augmenté les grades farfelus de Mamadi Doumbouya là. Amara, quand il parle, écoutez, j'ai dit, les gens là ne parlent pas français, ils ne comprennent pas français. Ils prononcent les mots en français sans comprendre même la gravité de ce qui sort de leur bouche dans la langue moulière. Amara disait, écoutez très bien, allez-y, ça dit, regardez la vidéo là encore. Amara dit dans sa propre bouche là, il dit, vis la charte, vis la charte, vis la charte. Amara, ça veut dire quoi? Vis la charte. Écoutez le français, hein? Amara, tu dis, vis la charte. Va fouiller dictionnaire, là, Amara. Tu regardes la définition de la phrase là, ou le mot là. Vis la charte. Donc, la charte que vous avez fait, et Mamadi Doumbouya nous a présenté après le 5 septembre là. Donc, vous respectez cette charte là, non? Vous ne respectez pas cette charte. Mais, à la rigueur, vous considérez cette charte encore en validité, non? Quand tu prononces le mot là, tu prononces le mot « vie la charte ». Cela veut dire cette charte de Mamadi Doumbouya qui nous a présenté après le 5 septembre, là, cela veut dire que ça existe. Pourquoi Mamadi Doumbouya alors, à son article 8, il interdit la manifestation aux gens? Pourquoi Mamadi Doumbouya alors, cette charte-là, à son article 47, 55, 65, non, 46, pourquoi Mamadi Doumbouya n'arrive pas à respecter ça? Pourquoi il ne veut pas respecter ça alors? Quand il vient parler, j'ai dit, Amara, tu es un farfelu. Il faut aller étudier encore, il faut aller à l'école encore, Amara. Quand tu prononces le mot, la vie, la charte, cela veut dire, vie, la charte, la veut dire quoi en français, la vraie définition. La vraie définition de ta phrase, là, Amara, vie, la charte, là, cela veut dire, la charte que Mamadi Doumbouya a présentée au Guinée après le 5 septembre, cela veut dire que cette charte est valable. Mais pourquoi vous ne respectez pas cette charte encore? Farfelu que tu es, Amara, délinquant. Voyou criminel, bon fils marabolé. Toi, tu as le courage de venir sortir encore, mentir devant le monde entier. Où il y avait une enquête parlementaire en France. Ils ont convoqué le général. Il est venu reconnaître encore devant tout le monde. Hein?
Devant tout le monde, il a reconnu, les vidéos existent, ils ont enregistré. L'armée, les militaires français, là, ils font quoi là-bas? Le deal que vous avez, le deal c'était quoi? Il faut aider, c'est-à-dire, il faut aider un petit clan de l'Élysée pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser Assimi Goïta. Ils vont te soutenir pour te maintenir au pouvoir. Mais ça ne peut pas marcher. Le deal, c'est ça. Il faut les aider, ils vont déstabiliser le Mali. Maintenant, ils vont t'aider, tu vas te cramponner au pouvoir. Tu ne peux pas condamner les dadistes. Il faut être l'homme le plus bête, un alphabet, le dernier alphabet de la planète. Non. Il faut être plus que ce dernier-là. De dire que toi, tu vas venir tuer les gens. Attraper les dadistes, les juger crimes contre l'humanité et foutre les dadistes en prison. Et toi, délinquant, psychopathe, voyou, criminel que tu es, tu vas te flanquer encore nous dire ici que tu es en train de travailler. Hé, hey, tes grades de généraux là, ces camarades, ils sont en train de te donner là. C'est tes grades de la criminalité. C'est les grades de ta criminalité de trois ans. C'est le bilan. C'est les grades de ta criminalité, le bilan. C'est ce que Amara est en train de nous présenter là. Vous n'avez même pas... C'est-à-dire, vous êtes tellement ridicule. Vous savez, vous êtes devenu une abomination même. Quand des fois, je vous regarde même, j'ai envie de vomir même. Même le caca qu'on va chier dans les toilettes là, ont plus de valeur que vous. Vous n'avez aucune valeur humaine. Vous n'avez aucune, c'est-à-dire, aucune dignité mentale et physique, psychologique. Hein? Même le caca qu'on chie comme ça là, a plus de valeur que vous-même. Regardez-vous dans les miroirs même, avant de mentir en flagrant délit, en plein 21e siècle. Où il y a eu des enquêtes parlementaires françaises, où ils ont reconnu ce qui est là-bas, ce qui dirige même les gendarmes, là, il est venu dire devant, il a été audité devant le monde, devant le monde entier, là, ils ont reconnu que l'armée française là-bas, votre base militaire française là-bas est en Guinée. En vertu de quel droit de juridiction? Est-ce que le Parlement français avait, c'est-à-dire, voté la loi là pour, parce que Emmanuel Macron même ne respecte même pas la constitution française. C'est là-bas d'abord. Emmanuel Macron, Manu Macron, lui-même, il ne respecte même pas la constitution française. Parce que dans la constitution française, ça parle clair, c'est prévu, la loi, elle est claire. Avant de déployer l'armée française dans un autre pays, il faut passer au Parlement. Est-ce qu'Emmanuel Macron respecte ça? Vous pensez que quand les Africains n'ont pas été à l'école, tous les Africains sont des analphabètes, l'homme noir ne sait pas lire, l'Africain ne connaît pas lire, il ne sait pas écrire quoi. Vous êtes les seuls qui sont... Vous avez, voilà, comme je l'appelle, monsieur droit à tout faire. Monsieur à tout faire. Hein? Emmanuel Macron, d'abord, ça c'est une haute trahison pour la Constitution. Pour la constitution française, même pour la cour constitutionnelle, la cour suprême. Emmanuel Macron même a trahi d'abord le parlement français. Il a trahi aussi les français. Hein? Emmanuel Macron a trahi même son propre serment. Il ne peut pas déployer des gens. Les militaires français là, ne peuvent pas rentrer dans notre pays là, sans l'accord d'Emmanuel Macron. Parce que la constitution française, elle parle clair. Elle parle clair, la constitution française. C'est la même chose en Italie ici. Le président de la République est le premier magistrat de la République. C'est la même chose qu'ici, là. Hein? Est garant. C'est-à-dire, vous ne prenez comme en plein 29, c'est comme aucun Africain n'a été à l'école dans sa vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est quelle foutaise encore que vous continuez même. Mamadi Doumbouya tue les gens. Il ferme les médias. Emmanuel Macron fait semblant de ne pas voir. Il a valu l'intervention de l'Union européenne, les Français, les États-Unis, l'administration Joe Biden. Il a fallu des pressions, que les Belges sont rentrés dans le jeu. Les Italiens sont rentrés dedans. Et beaucoup d'autres pays sont rentrés maintenant pour s'attaquer à la Guinée de Mamadi Doumbouya. Maintenant, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut jouer l'hypocrisie mentale, intellectuelle là encore pour venir tromper les gens. Pour faire semblant encore qu'il y aura une enquête. Vous avez prononcé le mot enquête là contre Bilo et Fonike Mangue. Jusqu'à présent, on est où? Où sont les résultats? Parce que là, comme c'est le Jean-Luc Mélenchon qui a mené le débat là au Sénat, au Parlement là, il fallait, on ne peut plus cacher la vérité. Vous avez Emmanuel Macron encore avec son petit clan, ils vont sortir pour faire semblant. Emmanuel Macron, nous, on vous dit,
Le 31 décembre, là, 2024, là, tous les Guinéens vont prendre leur destin en main. Comme ce que les Maliens ont fait, les Burkinabés de Ibrahim Traoré ont fait, Niger, Tiani aussi, c'est comme ça. Nous-mêmes, on va destituer Mamadi Doumbouya le 31 décembre 2024. Là. Il n'y aura, Mamadi Doumbouya ne sera plus légitime en Guinée. Vous allez voir ce qui va se passer. Et s'il y a des problèmes après, encore après, le premier pays qu'on va accuser sur le plan juridiction internationale, on va accuser Emmanuel Macron. Parce que Mamadi Doumbouya est soutenu par Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas des aveugles. Nous ne sommes pas des aveugles. Comme vous faisiez semblant que nous ne sommes pas des aveugles. Nous sommes pas, ça dit, vous êtes des aveugles intellectuels là. Nous, on voit tout ce qui se passe en Guinée. Mamadi Doumbouya, s'il n'était pas soutenu par un petit clan de l'Élysée là, Mamadi Doumbouya n'allait pas se comporter comme ça. Il tue les gens sans justice. Célestin, Sariba Koulibaly. Voilà les Kassori encore qui sont en prison aujourd'hui. Et, chers Guinéens là, écoutez, Kassori est gravement malade. Kassori est gravement malade. Si Kassori meurt en prison Mamadi Doumbouya avant décembre là, c'est toi qui as assassiné Kassori Fofana encore. Kassori est gravement malade. Je ne soutiens pas Kassori parce que c'est eux aussi, ils sont à la base de tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Parce que eux-mêmes, ils étaient les amateurs du troisième mandat d'Alpha Condé là. Je ne soutiens pas Kassori. Mais Mamadi Doumbouya n'est pas légitime au pouvoir. Il ne peut pas venir faire un coup d'état là. Prendre les gens et nous proposer son histoire de la justice, une boussole qui n'existe même pas. Il va prendre les gens, il va commencer à faire habit d'autoritaire judiciaire là, enfermer les gens sans preuve d'accusation, rien. Lui, il est magistrat, il est arrogant, il est bandit, il est psychopathe, il est délinquant, il est criminel, il est sanguinaire, et puis il va maintenir les gens en prison. Pour faute grave. C'est pas possible. C'est pas possible. Où sont les Fonike Mangé aujourd'hui? Où est Bilo? Mofa Souri est où? Lion Bangoura est où? On peut citer ici, ça finit même pas. Hein? Commandant Ali est où? Marcel, l'autre là, comment il s'appelle? Lama est où? Vous pensez qu'on ne connaît pas ce qui se passe en Guinée? Vous vous foutez des gens, chaque jour vous prenez des grades bidons là. Pas par méritocratie, vous venez vous grader devant les gens. C'est-à-dire, vous êtes des dessins animés. Vous êtes d'un gouvernement des dessins animés. Wallahi billahi. Même Kirikou, regardez Kirikou même à la télé même. C'est plus important même que d'écouter vos farfelés décrets. Chaque jour décret. Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez Mamadi Doumbouya a signé combien de décrets? Il a bâti le record de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que les Guinéens vivent de décret? Chaque jour, décret, décret, décret. C'est devenu un business pour vous. On vous donne 15 000, 25 000 euros. 15 000 euros là, vous sortez des décrets, vous nommez des gens. À la fin, les gens là vont s'asseoir dans les bureaux. Ils n'ont pas de salaire. C'est devenu du business pour vous. Décret sur décret. Tu veux être diplomate à l'étranger là. Si c'est l'Afrique là, on te dit 10 000 à 15 000 dollars. Si c'est en Europe ou aux États-Unis là, on te demande 50 000 à 40 000 dollars. On est au courant de tout. Ouyasanda Kouyaté, on est au courant de tout votre business là. Vous êtes des criminels de ce pays là. Et on doit vous juger, condamner à vie, jeter même les clés là dans la mer, à la mer. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Hein? Mamadi Doumbouya mérite quoi d'avoir les grades là? C'est-à-dire, vous vous foutez même de cette nation. Ok, l'histoire de 28 septembre là. Mamadi Doumbouya, selon lui, qu'il a jugé, le pays là. Les familles victimes là, vous avez jugé, vous avez condamné les dadis là. Maintenant, où est l'argent que vous avez pris pour remettre aux gens là, aux familles victimes là, pour les dédommager là? Dans un procès où on condamne quelqu'un, il ne peut pas faire appel. Après appel, il a le droit d'aller à la cassation avec ses avocats. Je me demande, mais vous pensez que vous avez été à l'école quoi? En plein 21e siècle comme ça, ça peut se faire. On condamne les gens comme ça, sans appel, sans recours, appel, rien. Comme ce que le Letno Dansa Kourma disait au temps d'Alpha Condé, après le troisième mandat, il dit que d'ailleurs qu'il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions. Vous avez entendu la phrase de ce petit ethno, la Malinké, là, Dansa Kourma. Oui, que c'est lui qui va faire recours
à la Cour constitutionnelle, cela veut dire, je sais, ça devient rébellion de quoi contre l'État. Quel État? Vous êtes des voyous. Vous pensez que la Guinée appartient seulement à votre papa là? La Guinée appartient seulement à un petit clan malinqué là. Pémissé auto au courrier. Voici Kassori qui est entre la vie et la mort aujourd'hui en prison. Je dis que je ne soutiens pas Kassori. Mais est-ce que c'est la façon Mamadi Doumbia vient tuer les gens, il attrape Kassori comme ça, il fout Kassori en prison. Kassori est gravement malade, je vous dis ça là, il est gravement malade Kassori Fofana. Il est gravement malade. Si vous voyez que Kassori Fofana est titulaire d'un passeport français, américain là, les Américains ne se sont pas mêlés dans ça. La constitution américaine, elle est claire. Si tu as un passeport américain, tu n'as pas le droit d'aller dans un pays d'autrui là, tu vas te mêler dans le système de la politique de ce pays. La constitution américaine, c'est clair. Sinon, depuis là, aujourd'hui là, on allait aider Kassori Fofana à sortir de la prison. Et c'est la même constitution encore qui est prévue par la France. Si tu es titulaire d'un passeport français, c'est la même chose. Tu ne dois pas aller, c'est-à-dire, aller rentrer dans la politique d'un autre pays détruit. C'est écrit, c'est clair dans la constitution américaine. C'est pour cela, les Américains n'arrivent pas à défendre Kassori pour le faire sortir de la prison. Mais les gens n'ont pas compris. Oh, Kassori Fofana a un passeport américain. Pourquoi les Américains ne veulent pas le aider? Les Américains, leur constitution est claire dedans. Si tu es titulaire d'un passeport américain, tu ne dois pas aller dans un autre pays. T'installer dans le problème de politique de ce pays-là. La constitution, elle est claire, mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi Kassori est titulaire d'un passeport américain. On n'arrive pas à le défendre. Si c'était un truc privé, là, les États-Unis, là, l'immigration ou quoi, là, ministère des Affaires étrangères des États-Unis, là, ils allaient s'impliquer dans ça pour aider Kassori Fofana, lui faire sortir de la prison. Si c'était des choses privées, mais comme c'est un truc de gouvernement et gouvernement, là, et c'est écrit, on les a dit de ne pas rentrer dans ça. Himbe buino harafamali. Kassori Fofana ne gugui passeport américain. Kofi en nous américain mebe fala wa watamo wa logol. Non. Américain mebe passeport ma beon sa yeti, passeport ma beon, constitution ma beon no la bi poi fenande alaton. Sa gugui passeport américain. Ayaye e lady go, anati en din lady, politik din lady. Américain mebe no inni wo be, ay kwaro yi wo kwaro yi wo, be walatama be defandatama. Mais sa yaye e lady go, awa di go ungo privé, wano ka be kansete ni be nangire ni. Amérique, ambassade américaine, lady Kawanda, donc il m'a marié droit. Il m'a marié droit, yagol, immédiatement, hidaïma. Tiangé passeport, ma pion, bao. Nous windin derton. Et der aduna la fo, qu'américain yo darna wo, partout dans le monde entier, qu'américain yo darna wo, mon yogi passeport américain. En tant qu'ambassadeur, yon, arali, endin lady, hay goto doa kama etugol labe, soke en der kaso. Mais constitution, ma pion, kadi, no woli, clair. Sa yogi passeport matin, sa ye e lady go, anati ender politik ndin lady, sa ye di problem. Constitution matin, no tongi in no golpe ya ebe defende be wale. Manu kaso yopo fana wata ebe de passeport américain, ha hande haremo e kaso oduman nagi. Fou nandi dun. Himbe bui hari andadun. Jo ni marimi wola ni ono, kofi ono kaso rinen, no nebir ka kaso ni. Mado yalti no gila nebi. On constitution goto kadi no ender constitution français ben kadi sa mari passeport français awata yagol nata e girgol e natugol e politique lady go à l'étranger on fami ko dun kasser fofana joni no nanga ka kaso yaltal si ko privé affaire privé no américain ben yaltini no kasser fofana gila nebi e soda no kadi hay pie ben abamo on ya l'américain ben hay ben abibi ben mabbe ben lady go ambassade on no mari délégation ko yata hide ben faibe ati ben faibe fo ma signala ko on to be yata ko on to be wonata si be yoto e lagine ma yaka di déclara ka be yari wo américain be ben ka yari wo e lady ma be buima be no mari droit yagol déclara ka ambassade hewtinde e lady do be anda kari hewti do ni en cas problème si hewti mais ko be saria ko be ni kon ta natu de e affaire politique e lady go sina amérique kudun kasiru fofana amerikan bebe ha hande wa wale mo wallugo lo yalta ga kaso himo nauni il est gravement malade. Si maintenant vous voulez tuer aussi Kassori Fofana là d'ici décembre là Mamadi Doumbouya, tuez tous les gens là, il faut les tuer, il y a pas de problème.
Mais vous aussi, un jour, demain ou après-demain, vous serez jugés de la même façon que les Kassouris là et les autres. Et les dadis que vous avez foutus en prison là. Pour vous là, c'est foutaise. Vous venez vous baser sur un problème d'ethnie là pour diriger un pays. Vous êtes en plein 21e siècle. Voilà, aujourd'hui, vous voulez amener Mohamed Touré qui est sorti de la prison aux États-Unis. Il va rentrer en Guinée, il va créer un parti politique. Comme ça, c'est le dernier plan de CNRD. Comme Mamadi Doumbouya sait qu'il ne pourrait pas. Mamadi Doumbouya, tout ce que nous attendons là, sort, qui est tellement audacieux. Koitolo Djani, Neye Soura Bokela, Mamadi Doumbouya. Maninka Bafoy, Koy Loboni, il Loboni Yerele, Mamadi Doumbouya. Il Loboni, Ikeni, Itikouma, Mela, Neye Soura Bokela. Il faut sortir, tu vas faire décret là. Que tu seras candidat. Maintenant, on va voir si la Guinée appartient à ta famille et à ton papa, là, Mamadi Doumbouya. On va comprendre que tu es plus fort que tout le monde. Je t'ai dit en termes en français, Mamadi Doumbouya, l'homme n'est pas fort, c'est le temps et le moment qui est fort. L'ennemi numéro un d'un être humain, là, c'est l'arrogance. Ton arrogance, là, va te tuer, Mamadi Doumbouya. Si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, là, toutes les personnes, là, qui sont à côté de toi, Mamadi Doumbouya, les gens, là, ne t'aiment pas, Doumbouya. Ils ne t'aiment pas. Ils m'ont dit Amaragné, ils m'ont dit Bala Samoura, moi, Olbe, Djiba, Yakite, quoi, là. Mamadi Doumbouya, il demande mon mêlée. Toutes les personnes là, personne ne veut de toi. Ils sont là seulement avec toi pour s'enrichir. Les Ousmane Gawal, les Baouri là. Toi-même, quand tu prends les vidéos, les anciennes vidéos de Ousmane Gawal, c'est pas Ousmane Gawal qui disait aux enfants de Peul de l'acte de sortie, c'est ce qui est prévu par la démocratie, il faut manifester, c'est un droit comme ça. Les vidéos d'Ousmane Gawal n'existent pas. Baouri, sa vidéo n'existe pas, où il disait que le CNDD de Dadis là, que Dadis était un criminel. C'est pas le même Baouri encore qui est avec toi aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas de dignité, les gens qui n'ont aucune dignité humaine, c'est pas les mêmes encore qui sont avec toi aujourd'hui, qui sont en train de mentir. Donc Mamadi Doumbouya, ça c'est un système. Réveille-toi. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Amara sort hier là, dire que les Guinéens n'ont qu'à prier Dieu pour toi. Qui va prier Dieu pour toi? Vous êtes malade. Qui va prier Dieu pour Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya n'a pas pris le Coran, il a prêté serment. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il nous a pas dit ici là? Mamadi Doumbouya, c'est le Coran là qui le suit comme ça là. Il ne dort pas, il est dans le cauchemar. 31 décembre est devenu, 2024 est devenu une maladie psychopathe pour lui. C'est-à-dire, c'est comme si on lui avait dit qu'il a comment on appelle, l'hépatie. Qu'il souffre d'une hépatie mentale de présidentielle maintenant. Le mot 31 décembre est devenu, c'est-à-dire un problème, comme si le 31 décembre là, c'est 2024, c'est devenu pour vous comme si c'était un coup d'état sûr que vous allez avoir. Dire seulement 31 décembre 2024, vous êtes malade. C'est en train de vous rendre la maladie, psychologiquement et mentalement. Amara sort ici, on va prier Dieu pour toi quoi. Qui va prier Dieu pour Mamadi Doumbouya? Avec tout le bordel que Mamadi Doumbouya et le CNRD vous êtes en train de faire au Guinée là, qui va prier Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya, c'est lui qui doit prier Dieu pour les Guinéens là. Demander pardon aux Guinéens. Revenir à ses promesses de 5 septembre. Non, on n'a rien demandé à Mamadi Doumbouya. Qu'il respecte seulement son engagement. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il a assassiné des gens. Mamadi Doumbouya doit avoir procès aussi, comme les dadis là. Crime contre l'humanité. Pour lui-même, ça sera très grave même. Mamadi Doumbouya doit être jugé. Crime contre l'humanité. La déstabilisation d'un pays détruit parce qu'il est titulaire d'un passeport français. Mamadi Doumbouya est titulaire d'un passeport français. Mamadi Doumbouya ne fait même pas partie de l'armée républicaine. Il n'a pas l'immatriculation de l'armée. Tout ça là encore, ils se sont basés pour affaires d'ethnie là, les Namoré là, les commandos Faraï là. Vous vous êtes basés, Sadiba Koulibaly, feu Sadiba Koulibaly, vous vous êtes basés sur affaires d'ethnie là. Vous avez trompé Alpha Condé parce que vous êtes Mamadi, c'est-à-dire, vous pensez que Mamadi Doumbouya, il est rentré dans son film hindou qu'il a attrapé maintenant aujourd'hui au cou. Vous pensez que Mamadi Doumbouya n'était pas intelligent? Comme Mamadi Doumbouya sait que dans l'armée là, 75% de l'armée guinéenne là est composée de l'ethnie malinké et des racistes encore. Ils sont des racistes. L'armée, 43 généraux dans un pays, 43 généraux. Alpha Condé voulait se faire protéger par 43 généraux de l'ethnie malinké. Donc Mamadi Doumbouya connaît votre faiblesse mentale. Il sait comment jouer avec vous. Il sait que vous êtes des farfelus ethno.
Vous êtes des farfelis ethno. Il a joué le pion là. Et vous êtes tombé dans son film. Alpha Condé est gravement malade. Ils l'ont condamné. Alpha veut remettre le pouvoir au peuple. Il veut remettre le pouvoir à Sello. Voilà comment, une petite phrase, hein. Voilà comment Mamadi Doumbouya vous a attrapé. Tout le monde. Avec le mot là seulement. Obama, quand il venait gagner les élections là, Obama a utilisé deux mots. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can, là, c'est ça là qui a donné le pouvoir à Obama, non? Yes, we can. C'est fini. Mamadi Doumbouya, il a utilisé. Deuxième mot que Mamadi Doumbouya a utilisé contre vous, là, pour maîtriser Alpha Condé, pour se cramponner à la tête du pays, là. Il dit que le colis est maîtrisé. Mamadi Doumbouya, c'est un criminel. C'est un criminel. Il est intelligent, Mamadi Doumbouya. C'est un criminel psychopathe. Il a utilisé, quand il a attrapé Alpha Condé, il a utilisé le mot là, le colis est maîtrisé. Le mot colis là est maîtrisé là, c'est quoi? Cela veut dire c'est lui qui décide tout. Vous ne connaissez pas Doumbouya? Ah non. Allez, Jordan, non, Jordan, tu es trop éveillé. Non, tu es éveillé, Jordan, Kevin Doumbouya, tu es trop civilisé dans le banditisme. L'homme le plus civilisé au monde dans le banditisme, c'est Mamadi Doumbouya. Il est trop, très, très civilisé dans le banditisme. Il a maîtrisé le mot-là pour maîtriser toutes les autres personnes-là. Seulement dire que le colis est maîtrisé. Dire le colis est maîtrisé maintenant, Alpha Condé est dans sa main, c'est lui qui va décider, non? Vous avez vu comment Mamadi Doumbouya a joué le rôle? Il a donné les grades des généraux là, d'abord à beaucoup de personnes là-bas. Lui, il a fait semblant comme si ça ne l'intéressait pas. Vous allez voir. Mamadi Doumbouya, tu penses que tu es plus intelligent que Dieu. Tu es plus intelligent que la nature. Hein? Mais tu vas voir, tu vas tomber dans ton film hindou. Le film hindou est arrivé à la fin. Donc, je m'adresse à la société civile. Kunduno, M. Sano, FNDC politique, LANAD, IFDG, RPG arc-en-ciel, IFR de président Sidia Touré là. Cherchez à vous regrouper à l'air là. Regroupez-vous à l'air là. Organisez-vous. Le 31 décembre, le 2 janvier ou le 1er janvier ou le 2 janvier là. Déclarez devant le monde entier que Mamadi Doumbouya n'est plus président de la transition. Et le CNRD, le pouvoir de Mamadi Doumbouya aussi, soit destitué. Il faut avoir le courage d'organiser ça, surtout le président Seldalen, parce que tout le pouvoir, tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est tout sauf un peu le pouvoir, tout sauf Seldalen au pouvoir. Tout le problème manigance là, électoral là, tout ça là, c'est ça. Il ne faut pas que Seldalen devienne président de la République. C'est ça, hein. L'ethnie peuple ne doit pas être dirigée ce pays-là. Mais cette fois-ci là, quand c'est l'Odalem va finir avec vous, vous allez respecter l'homme-là. Vous allez comprendre que l'homme-là ne voulait pas les problèmes pour ce pays-là. Il ne voulait pas de guerre, une guerre pour la Guinée. Il veut suivre le chemin de Dieu et le chemin de la démocratie. Pas ce que vous prétendez de faire la démocratie. Votre définition de mot démocratie-là, c'est arrêter les gens arbitrairement, les foutre en prison, les assassiner sans justice. La justice sera la boussole. Voilà, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême est composée seulement de ethnie malinké. L'ethnie malinké seulement, pour protéger un psychopathe délinquant, un criminel. Je m'adresse maintenant aux gens de la Cour constitutionnelle, là, la Cour suprême. Là. Réveillez-vous. Soyez fidèles à votre serment. Vous avez vu les magistrats, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de Dakar, vous avez vu ce qu'ils ont fait, non? Vous avez vu les gens là. Obama nous a dit qu'on n'a pas besoin, nous en Afrique, on n'a pas besoin des hommes forts au pouvoir. On a besoin des institutions fortes qui respectent la loi, qui respectent les lois de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Et la justice soit libre et indépendante. Pas une justice qui soit téléguidée par un président qui n'est même pas légitime au pouvoir. C'est ici que je m'attaquais à Lamine Diracé. Arrêtez d'appeler Mamadi Doumbouya président de la République. Vous avez formalisé dans sa crantologie là jusqu'à maintenant ce psychopathe délinquant, voyou, bandit, criminel, sanguinaire là. Ils ont pris ça là pour dire qu'il est président. Tu connais même le ça dit. Tu connais Mamadi Doumbouya. Vous connaissez la définition d'un président, c'est quoi?
un président doit être élu par son peuple. Toi, tu prends les gens, tu tues les gens et tu condamnes les dadistes. Hey, il faut être maudit. Mamadi Doumbouya, tu penses que vous êtes plus béni que tous les autres Guinéens là? Vous êtes, ça dit, vous êtes les plus, ça dit, vous êtes bien né en République de Guinée, plus que tous les autres. Mamadi Doumbouya, tu as affaire avec 14 millions d'habitants. Hein? Tu as affaire avec 14 millions d'habitants. Votre petit clan malinqué ethno là, vous êtes au nombre de 27 personnes. 27 personnes ne peuvent pas diriger 14 millions, 13 millions et quelques d'habitants. Tu penses que la révolution, quand il y a la révolution, Mamadi Doumbouya, les armes là que tu dis que tu as payé là, tu vas oublier ça. Les armes là maintenant, ce n'est même pas Mamadi Doumbouya qui a acheté ça. Les armes là sont venues en Guinée, c'est pour déstabiliser le Mali. On a tout, on a les preuves, Mamadi Doumbouya. Les armes que tu es en train de montrer sur la route là, ça c'est pas pour toi, c'est pas pour la Guinée, c'est pour la France. C'est pour la France. Vous avez pris, maintenant, vous avez pris les armes là, vous êtes parti stocker ça maintenant à la frontière. Pourquoi faire? Pour déstabiliser le Mali, non? Pour déstabiliser Assimi Goïta, non? Pour déstabiliser, c'est pour cela que j'avais dit à Assimi Goïta, le mois de novembre, septembre là, il n'a qu'à fermer la frontière entre Mali et Guinée là, qu'il ferme la frontière. T'as dit non, c'est une honte. C'est-à-dire, je me demande même, qui te pousse même à faire ça là? Il faut te ressaisir, Mamadi Doumbouya. Tu ne peux pas tuer des gens, condamner les dadistes, les casseurs sont en prison. Et toi encore, tu vas nous dire tes propres chartes privées que tu as inventées. Et tu vas venir nous dire que tu es candidat. Il faut être l'homme le plus délinquant, c'est-à-dire fou mental même. Tu es un fou mental même. Il faut être le plus bête même de la planète pour venir dire que tu vas commencer à dire que tu seras candidat. Mais les gens ne t'ont pas compris. Tu es trop intelligent, Mamadi Doumbouya. Tu es en train d'utiliser les Baouri, les Ousmane Gawa, les Amara. Le jour que ça va péter là, tu vas dire devant les gens, je sais comment tu es, Mamadi Doumbouya. Tu es un délinquant très très intelligent. Tu es un délinquant intelligent, Mamadi Doumbouya. Tu es un bandit intelligent, tu es un psychopathe intelligent. Tu n'es pas un fou. Tu veux utiliser les gens là, ils vont s'exposer dans les médias, dire comme ça, Mamadi Doumbouya peut être candidat. Mais ça ne va pas sortir de ta bouche, toi. Ça va pas sortir de ta bouche. Le jour maintenant que ça va commencer après le 31 décembre, là, quand on va te prendre là, tu vas dire, ah, voilà ce qui te va utiliser pour te défendre. Est-ce que j'ai dit une fois devant quelqu'un que je serai candidat? Comme les Baouri là, les Ousmane Gawal, c'est des totos, ils n'ont rien compris là. Ils vont comprendre en ce moment leurs phrases là, Amara là, leurs bouches qu'ils ont pris pour parler dans les micros là. Que Mamadi Doumbouya peut être candidat. Vous allez voir, c'est vous qu'on va attraper. C'est vous qu'on va attraper en ce moment. On va vous juger. Mamadi Doumbouya, ce psychopathe-là est très intelligent. Mais vous n'avez rien compris. Il vous utilise devant. Vous allez faire les communiqués qu'il sera candidat. Et le jour que ça va péter là, Mamadi Doumbouya va sortir dire que lui, avec ses avocats, il va dire qu'il n'a jamais déclaré. Montrez-nous une vidéo où Mamadi Doumbouya est venu nous dire qu'il sera candidat. C'est comme ça le jouet. Vous pensez que vous avez affaire avec un psychopathe délinquant intellectuel, Mamadi Doumbouya. C'est un criminel, c'est un bandit intelligent. Il n'est pas fou, il vous utilise devant. Lui maintenant, il va avoir l'attention. Amara, tu vas sortir nous dire que on n'a qu'à prier le bon Dieu pour Mamadi. Prier Mamadi Dieu pour Mamadi Doumbouya. Pour un sangui criminel. Eh non, Amara, tu te fous des Guinéens. Tout ça là parce qu'il y a une enquête qui va venir en Guinée là. Parce qu'il y a une délégation qui va rentrer à Conakry bientôt. En Guinée là. Le parlement et une enquête. Une enquête va se présenter à Conakry. C'est pour cela Amara est sorti pour dire, faire les déclarations là. Tout ce que vous êtes en train de faire, nous on est au courant de tout Amara. L'enquête là maintenant, pour bloquer l'enquête là, c'est toi, tes communications là. Une enquête qui est passée dans le Parlement français devant le monde entier. Et la personne a reconnu qu'il y a les militaires français en Guinée. Il y a les bases militaires en Guinée. Devant tout le monde, ils ont reconnu. Maintenant, comme il y a une enquête qui va quitter à Paris pour se rendre à Conakry, sur le terrain, ils vont aller faire l'inspection maintenant là. Amara, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser Amara pour tenir des discours comme ça pour bloquer l'arrivée des enquêteurs là. Hey, on est au courant de tout. Nous sommes en plein 21e siècle. Avec les réseaux sociaux, là, vous ne pouvez plus tromper les gens. Vous avez fermé les médias. Là.
Où sont les communicants, les blogueurs de CNRD aujourd'hui de Mamadi Doumbouya? Personne ne veut te soutenir. Avant, tu entendais, moi je suis pour Mamadi Doumbouya, je suis l'avocat de Mamadi Doumbouya, je suis comme ça, comme ça. Où sont les blogueurs, les communicants de CNRD, les communicants de Mamadi Doumbouya là? Personne, ils ont disparu parce que le mensonge là, tu vas mentir jusqu'à la fin, les gens vont voir la vérité. Où les Guinéens d'Oromane, Mamara Kouyama? Tu peux tromper une femme là, mariée là, mais affaire de mariage là, après, au fur et à mesure, vous allez divorcer parce que tu as menti. Où les Guinéens d'Oromane, Mamou Kouyama? Fiu. Vous pensez que vous êtes trop intelligent, plus que 14 millions d'habitants. La façon dont que vous allez partir faire votre réunion de Malinké là, petit ethno Malinké dans l'armée là, c'est la même chose que les gens aussi qui sont à. Ailleurs, dans Guinée, là, à l'étranger. Là. C'est de la même façon que nous aussi, nous réfléchissons et nous faisons notre analyse. C'est comme ça. Vous pouvez tromper tout le monde comme ça. On va prier le Dieu pour qui? Pour le criminel, là, le psychopathe, là, l'assassin. Là. Est-ce que ce qu'on lui a demandé, là, c'est difficile de le faire? Et qu'il organise les élections, il quitte en Guinée même, il dégage même, c'est tout. C'est pas compliqué. Qui l'a dit d'aller faire le coup d'État Alpha Condé? Si Alpha Condé ne respectait pas la constitution là et à son article 27 là, Alpha Condé ne respectait rien. Les Guinéens ne se parlaient pas. Aujourd'hui, les Guinéens se parlent. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya qui nous a présenté une charte maudite là, il a respecté ça. C'est pour cela que j'ai dit à Mara d'aller étudier encore. Quand il utilise le mot « vis la charte là », va trouver un professeur de la langue française là, Amara. Et tu lui poses cette question-là. Ta phrase-là, le mot-là, vise la charte, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Des analphabètes comme ça, là, qui vont dire qu'ils vont diriger un pays. Vous êtes malade ou c'est quoi? Vous pensez que vous pouvez diriger le pays-là pour vous cramponner avec un système de manicatisation du pouvoir, manicatiser l'administration? Vous êtes, c'est quoi même? C'est quoi votre problème même? Affaire de haine-là, affaire d'ethnie-là, c'est quoi? De 58 jusqu'aujourd'hui, vous êtes basé sur cette mentalité de merde-là. Vous êtes basé sur cette mentalité de merde. Tout, c'est vous. Le pouvoir, c'est le Malinké. Vous êtes... C'est écrit où? C'est écrit ça dans le Coran en Guinée. Le pouvoir appartient seulement à un Malinké. C'est un Malinké seulement qui doit être président en Guinée, diriger ce pays-là. Voici des farfelus comme ça qui viennent assassiner des gens, qui vont s'accaparer de ce pays-là, braquer un pays. Espèce de braqueur que vous êtes. Des criminels comme ça là, des délinquants de la démocratie. Vous êtes des criminels de la démocratie, des assassins comme ça. Amara, donc tu la fermes, si tu n'as rien à dire, tu la fermes Amara. Aucun Guinéen ne va prier pour Mamadi Doumbouya. Vous avez dépensé plus de 9 milliards, 15 milliards de francs guinéens pour faire des sacrifices. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi? Plus de 15 milliards de francs guinéens de sacrifices. De 5 septembre jusqu'à aujourd'hui pour aider Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est nous qui vont venir maintenant. Donc, vos imams là, vos marabouts que vous avez pris en Inde là, amenés en Guinée là, donc ceux-là, ils n'ont pas trouvé une solution. Non. Ils n'ont pas trouvé une solution. Vous avez même enlevé des êtres humains, des sacrifices là, pour aider Mamadi Doumbouya. Donc, ça ne marche pas alors. Aujourd'hui, c'est nous les Guinéens. Mamadi Doumbouya a affaire avec Dieu. Mamadi Doumbouya, son problème, il a un contrat avec Dieu. Où il a mis sa main sur le Coran. Où il a mis sa main sur le Coran, il a prêté serment. Mamadi Doumbouya a affaire avec Dieu. Mamadi Doumbouya, son problème, c'est avec Dieu. Ce n'est pas avec les Guinéens. Parce que nous, on sait qu'il nous a trahis d'abord. Il a trahi tous les Guinéens. Il a trahi Alpha Condé. Il a trahi Selou. Il a trahi Sidia. Il a trahi Fonike Mangue. Il a trahi Bilo. Il a trahi. Mamadi Doumbouya a trahi tout le monde. Un psychopathe comme ça. Maintenant donc, vos prières, les sacrifices, vous prenez même des vaches, vous enterrez les vaches même vivantes. Et puis, vous mettez de l'essence. Ça dit non. Donc, Al-Kasraka même Bebo, 15 milliards de francs guinéens, plus de 15 milliards. Al-Kasraka même Bebo, Saraka au Mamina. Kawa Molta, Han Endeko, Mamadi Doumbouya la Marabou. Marabou le Mamadi Doumbouya. Ça dit, Al-Hankliti, Mbrafale, Mamadi Doumbouya. Il m'a dit, moi, Meléo. Ibadia moi mais Mamadi Doumbouya et tu n'as les folies. Mamadi Doumbouya si ibolo bon masako maintenant. Atina la benna. Ni a foyer ni si oule ne bola sarakala.
So fala ko nagge bode o sodata sadaka wada o won gon gulam wallahi billahi taala momadi dumbuya it itolaro ni ki fasa fasaro wallahi billahi la barto le mi Samuel do on va te finir en Guinée comme Samuel do. 31 décembre là c'est devenu une maladie pour vous, c'est devenu des cancers, c'est devenu des cancers mentaux pour vous. Pour prononcer seulement 31 décembre 2024, c'est devenu comme un, c'est-à-dire comme une bombe qui vous a, qui est en train de vous attendre pour le 31 décembre 2024 là. Mais vous allez voir. On te dit laisse. Les gens là t'aiment pas Mamadi Doumbouya. Ils t'utilisent pour s'enrichir. Il faut comprendre ça Mamadi Doumbouya. Enlève ça dans les idées là dans ta tête. Les gens là t'utilisent. Ousmane Gawal qui était en prison là, pauvre. Ousmane Gawal a combien de maisons aujourd'hui en Guinée? Ousmane Gawal a acheté combien de maisons aujourd'hui en Europe ici là? En Europe, en Afrique, on compte même pas. Ousmane Gawa qui n'avait rien même. Que les gens de l'IFDG cotisaient même pour lui donner même de l'argent en prison. Il était en prison là-bas, il pleurait comme un enfant. Hein? Ça dit non. Mamadi Doumbouya, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Il te reste encore 1 mois, 3 semaines au pouvoir. Il te reste un mois, 3 semaines. Ton mandat là va finir. C'est toi qui as signé des papiers. Tu as remis à la communauté internationale. Et tu as jugé les dadistes. Tu as tué des gens. Il faut être l'homme le plus stupide du monde pour dire que tu vas dire que tu es candidat. Le jour-là, la guerre civile va se déclencher en Guinée. Et tu seras jugé encore crime contre l'humanité. Tu vas voir. Aujourd'hui, tu penses que tu es marabout. Déjà, Amara même a prouvé aux gens que tu es marabout, que tu as dépensé de l'argent. Ça n'a pas marché. Sinon, Amara ne peut pas venir nous dire il faut prier le bon Dieu. Qui va prier le Dieu pour Mamadi Doumbouya? Qui? Donnez-nous son nom. Les blogueurs ont fui. Vos communicants des réseaux sociaux ont fui. Les blogueurs ont fui. Tout le monde a fui Mamadi Doumbouya parce que c'est un malhonnête, c'est un ingrat. Mamadi Doumbouya est un ingrat, psychopathe ingrat. Tout le monde a fui Mamadi Doumbouya. Vous avez dépensé des milliards là. Ça servit à quoi pour les sacrifices sataniques là? Ça servit à quoi? Donc c'est nous qui vont venir prier Dieu maintenant pour Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a un contrat qu'il a prêté serment avec le Coran devant Dieu. Dieu est invisible. Dieu regarde tout. Mais on ne peut pas lui voir. Donc portez-vous bien. Amara, personne ne va prier pour Mamadi Doumbouya Dieu. Maintenant je t'ai dit, ça dit non. Depuis que le CNRD est arrivé au pouvoir là, moné nagana la Guinée déma, Antoine Yondo Munaba. Depuis 1958, foutaise sur foutaise, moné sosé nana ma moné, ça dit ou moné ou ça dit non. Et wono mané ha, il fasse ay wuni wono quoi. Moné si coulé, sosé nana ma moné si coulé. Kono yé ma balan. Vous êtes malade de sortir dire qu'on va prier Dieu Mamadi pour Mamadi Doumbouya. Et Amara, un farfelu marabolé comme ça qui sort en flagrant délit de mensonge en plein 21e siècle. Les Français n'ont pas de base militaire. Quelque chose qui a été reconnu internationalement devant le Parlement français. L'homme de l'armée là est venu encore témoigner devant le public. Et c'est toi Amara qui va sortir dire aujourd'hui. Hey, Marabolé nana aura, c'est tout. Marabolé 100% nana, CNRD, c'est fini. Aou nyanako la Guinée, aou talé la Guinée dit. Amara, ikoko, kwal talé la Guinée dit. Ita mela sini Amara. Mais vous allez voir, vous allez trouver cette population devant vous. Devant vous. Et les autres partis politiques sont en observation. Le CNRD en observation à l'air là. Nous aussi. Les Guinéens aussi en train de vous observer maintenant pour jusqu'à le 31 décembre. Le CNRD en observation. Vous êtes en observation aussi, le CNRD. Vous n'avez rien compris encore. Après le 31 décembre là, ce qu'on va vous faire là, Mamadi Doumbouya là, ça sera la première fois dans l'histoire du monde. Nous, les diasporas là, qui sont partout là, on va commencer à nommer notre ambassadeur partout là. Vous allez voir.
Vous avez les armes. Nous, on va vous frapper intelligemment et intellectuellement. C'est-à-dire, vous avez les armes, non? Vous allez voir. On va vous corriger, on va vous chicoter intelligemment et intellectuellement, Mamadi Doumbouya. On va nommer nous-mêmes, pas tous les pays où il y a l'ambassade de Guinée, de République de Guinée, là. La population, on va se mobiliser, on va voter nos ambassadeurs. Chaque ethnie va présenter une seule personne. Et on va prendre les vidéos, caméras, en live direct. On fait les élections, on fait les votes dans l'ambassade. Si c'est un Malinké qui a gagné, il devient ambassadeur. Si c'est un Peul, c'est comme ça, on va vous apprendre qu'est-ce que c'est que la démocratie. Portez-vous bien. Partagez vos vidéos dans Canet Group. Voilà un farfelu comme ça qui tient des discours bidons. Vous êtes en train de donner les grades de la criminalité avancée de Mamadi Doumbouya là. Ça, c'est des grades de son assassinat là. Un voyou comme ça là. Et puis, pour mérite de travail. Quel travail? Vous avez vu l'état des routes aujourd'hui? Les Guinéens n'arrivent même pas à manger à leur faim. Aujourd'hui, il y a des familles qui n'arrivent même pas à préparer une seule fois par mois. Vous flanquez ici pour raconter de la saladerie comme ça là. Des criminels ethno-malinqués que vous êtes. Un groupe de petits clans ethno-alpha, c'est-à-dire analphabètes comme ça au pouvoir. Vous êtes malade, la Guinée vous appartient. Otambéal à la Guinée, au Babanangbe la Guinée. Al Nyonokal al Fatal la Guinée. On se coude au Ben Mongi la Guinée. Capo ou d'Akui. Tadino, Ben Omoni n'a got, hein, Bernema de Moussa. Amarayal Tadoina au base militaire français à la Guinée. Ka parlement général d'yon, coin ça, au Yoli et Sadna, là, faut vidéo qui dit no. Comme il a tinoyal tout goldomi, Woli don, Gila, 2 ans et quelques, Beni Womi Fenai. Miantini photo qui dit, mais Oli faut, à la Kobeyanan, non. Et si vous avez des cas de la Guinée, on temps réel. Donc, partagez vos vidéos quand vous avez. Le soir encore, ça sera le débat d'Amara. Comme tu dis que tu es un malhonnête menteur. Vous savez mentir au micro là. Aujourd'hui, on va vous montrer encore ce qui s'est passé au Parlement là. Audit de Parlement là. Un marabolé comme ça à la tête d'un pays de criminels. Les Guinéens souffrent aujourd'hui, ça ne vous dit rien. Vous êtes tous devenus des millionnaires en dollars. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à recevoir leur salaire. Mais quand tu parles de ça, c'est-à-dire vous montez les gens, ah, il est peu, c'est affaire d'ethnie. C'est le problème de la Guinée, c'est pas affaire d'ethnie là. Le problème de la démocratie, problème d'élection en Guinée là, c'est pas affaire d'ethnie. Tout sauf un peu le pouvoir. Ça, c'est votre langage. Mamadi Doumbouya, c'est ce qui était dans la tête d'Alpha Condé là. Alpha Condé nous a dit qu'il ne va pas laisser le pays dans la main des délinquants. Il qualifiait Sélo et Sidia, président Sidia Touré, des bandits, des délinquants. Ce n'est pas le même délinquant bandit qu'il est parti ramasser dans la poubelle. Ce n'est pas le même malinqué là qui est venu le renverser. Vous pensez que c'est affaire d'ethnie là? Dieu ne dort pas. Les Kassori qui faisaient de Mamaya là. Les Djané, l'ancien ministre de la Défense Djané. Combien de enfants de Peul qui ont été assassinés dans l'Axe? Diané n'est même pas sorti. Dire qu'il s'excuse pour ce qui s'est passé, ils vont ouvrir une enquête préliminaire. Rien. Damaro, même chose qu'il disait, qui est parti jusqu'à la casse. Dire au Konyaka qu'ils ont fait la guerre Sierra Leone, Libéria. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Malik Sankon, ils ont regroupé plus de 2500 à 3000 personnes pour faire face à ces Loudalen contre l'ethnie Peula. Vous pensez que le problème de la Guinée là, c'est tout sauf un peu. Cette fois-ci là, c'est que nous prions pour le bon Dieu, que Dieu donne seulement longue vie et santé à ces Loudalen. Le combat là, Alpha Condé a cherché le pouvoir pendant 45 ans. Joe Biden, 30 ans. Joe Biden a fait 30 ans pour chercher le pouvoir. 30 ans, Joe Biden est en train de chercher le pouvoir. 30 ans, hein. Demandez ceux qui sont aux États-Unis. 30 ans, Joe Biden cherche à devenir président de la République. Après 30 ans, il est devenu président. Mandela, plus de 27 ans. Mugabe, plus de combien d'années? Alassane Draman Ouattara, combien d'années? Donc, ce n'est pas affaire de Sélou. Sélou Dalé même, c'est hier, il a commencé à faire la partie. La politique. C'est hier, avant-hier, Sélou a commencé à faire la politique. Il n'a même pas fait 15 ans d'abord. Il n'a même pas fait 15 ans d'abord en train de chercher le pouvoir. Joe Biden qui a fait 30 ans. 30 ans, Joe Biden. Mandela, 27 ans. Alpha Condé, plus de 45 ans. Donc, Sélou n'a rien commencé encore.
C'est nous n'a rien commencé encore. Donc on a wolo be do birdi ne Joe Biden ko dubi chapanta ti wadi do e handa de mula Mohamed Alpha Conde dubi chapande na e joyi Mandela dubi nogay e jeki Roger Mugabe dubi nogay e goddum himo be nadi mo kasso be ni so porto be ni so yalti kadi so woli fi politique be ben kan sokay mo oni so yalti kadi o wolay il faut être déterminé seulement handa go lamo c'est tout sata ko courage ko dum minata prédancel dala yo be prépare fe on do yo be hidu e société civile fonike ma komana asafoulay kunduno e sano e yo be organise fe on do le 1er janvier be wada déclaration CNRD be ils vont dissoudre le CNRD là. Ils vont dire qu'ils ne reconnaissent plus le CNRD là comme président de la transition. Si c'est le dano non heba le on courage kati haray goulam fingoulam haray sa toyesa da nami Allah nami malaika mais c'est le dano heba on courage yo be imo fondo do be organiser na be habode en décembre seuti non il faut taper le fer quand il est chaud goddo sa fala amugol ko ya amuka musique ko be wada ma don gamongol ama nasi be dani ni radio ina amay c'est le dernier organise d'un fondo do c'est très simple reconnaissons wa don groupe avec la société civile le 1er janvier là Mamadi Doumbouya doit être destitué de son pouvoir dissoudre son pouvoir et dissoudre aussi le CNRD là ils ne seront plus reconnus comme président de la République c'est ça il veut seulement pousser qu'au système Assimi Goïta Mamadi Doumbouya fala wadde o atay no gol ko candidat ko duma no do be poussa jusqu'à il va finir de s'enrichir c'est fini ça tout l'argent là vous allez rendre ça au Guinée un jour inchallah donc portez-vous bien amara mara bolé le soir là je vais venir montrer la vidéo là encore aux gens comme tu comprends pas le français là tu vas apprendre encore à étudier la langue française des imbéciles comme ça au pouvoir